comme tout le monde le sait, on l'a vu tous, des séries négatives. On voulait sortir la tête de l'eau. Voilà, maintenant, on espère continuer là-dessus. C'est un but qui récompense le travail qu'on a fait durant cette trêve internationale. C'est ce but aussi qui il est aussi important parce qu'il nous relance dans cette spirale. Et on espère voilà, continuer au Havre et pour plus encore autour de la saison. On a eu un point où on a progressé, c'est dans l'impact et défensif, de rester bien compact, de défendre solidaire, avec solidarité, pardon, et c'est là-dessus qu'on a progressé. Après, on a encore un peu de manque sur notre jeu, sur ce qu'on veut faire, parce qu'on veut faire, mais on n'y arrive pas encore, par manque peut-être d'automatisme, et voilà, tout simplement. De manière ou d'une autre, il faut quand même aller encore chercher les points parce qu'on sait ce qu'on veut. On a un objectif et tous les joueurs, on est concernés par ça. Il faut qu'on veut aller plus haut, on veut toujours progresser et toujours faire plus. C'est vrai, ça fait plusieurs années qu'ils jouent le haut de tableau, qu'on connaît les objectifs de cette équipe, de ce club. Et ils sont assez, on va dire, ils font toujours des bons débuts de saison. Comme on l'a pu voir, et c'est vrai que c'est un gros club et il va falloir, ça va être difficile sur leur terrain. Trouver mes marques, c'est sûr, à ce poste de milieu de terrain, parce que dans mon ancien club, j'ai joué la deuxième partie de saison en défense centrale. Et au début, c'était un peu compliqué de retrouver les repères. Voilà, maintenant, je m'y fais et je commence à retrouver les sensations.